Welcome, welcome, welcome in Jesus' name. Just give your friend a good smile. You're welcome, you too. Thank you, man. Wow. We praise God, we praise God, we praise God. Hallelujah. Oh, yes, welcome. Yes. God is good, God is good, God is good. Hallelujah. I praise God. See the person that you have never talked to before. If you have never spoken, if you have never got a chance to speak to your friend before, just see him. Just talk to your friend. Wow. Just talk for a while. Just talk for a while. Talk for a while. Ask, how are you? How are you? I'm good. Just get a few minutes to talk to your brother and your sister. How are you, sister? How are you, my sister? Wow. We praise God. We praise God. This is wonderful. This is wonderful. Hallelujah. Wow. You know, sometimes we can, as we know, the church is a family, and you know, just as we know, the church is a family. So, l'église c'est la famille. You know, just sometimes when you just meet, quand nous nous croisons, we need to feel that, you know, to have the feeling as family members. Nous devons avoir le sentiment d'être le membre de la famille. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So now, can we put our hands together for the glory of God? Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur? We thank God who kept us all night. We thank God who kept us all night. To thank God, we remercie Dieu who kept us all night. Nous avons gardé toute la nuit. All week, toute la semaine. All month, et tout le mois. And then, you know, sometimes when you wake up in the morning, quand vous savez quelquefois quand on se réveille le matin, sometimes you think that it's something you take things lightly. Et nous prenons les choses à la légère. And I tell you, mais je vous dis, there are other people, il y a des gens, they didn't get an opportunity, ils n'ont pas l'opportunité, to get up this morning, de se réveiller ce matin. But you and I, mais toi et moi, we have an opportunity, nous avons l'occasion, to wake up this morning, de nous réveiller ce so matin, that we have to praise God. Et nous devons praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, sometimes, you want to do something. Tu veux faire quelque chose. But you are prevented. Mais tu es empêché. By circumstances. Par des circonstances. Other people can be in a hospital bed now. Les gens peuvent être sur la ligne d'hôpital. Other people can be in a car accident, a car crash. Ils peuvent être dans un accident de voiture. But you and I. Mais toi et moi. God has given us opportunity. Dieu nous a donné l'opportunité. To praise Him. De le glorifier. To praise Him. And then not simply because we are good. Et ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Not simply because you are beautiful. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux. But this is because of His grace. C'est à cause de sa grâce. This is because of His mercy. C'est à cause de sa grâce. This is because of the plan. C'est à cause du plan that He has for you. Qu'il a pour toi. Because He said, parce qu'il a dit, I know the plan I have for you. Connais le plan que j'ai pour toi. God knows the plan He has for you. Connais le plan qu'il a pour so toi. So if you are alive today, si tu es vivant aujourd'hui, if you are in good health today, si tu es en bonne santé aujourd'hui, simply because God, c'est parce que Dieu, like to fulfill, il a rempli the plan that He has for you. Et la plan qu'il a pour toi. Someone can say amen. Amen. Someone can put our hands together for God. Applaudis pour Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because the plan for you. Parce que le plan qu'il a pour toi, you didn't pay anything. Tu n'as rien payé. You didn't pay anything. Tu n'as rien payé. But because of His plan.
plan. Parce que à cause de son plan, he expressed his love to you. Il a exprimé son amour. So when you come to his presence, quand tu viens devant sa présence, present, il faut le glorifier. Hallelujah. Amen. Amen. Present. Il doit le glorifier. Present. Glorifier. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Brother, the microphone is fine. Yeah, it's okay. Can you just pull? Yeah, I'll put it on. Yeah. Hallelujah. Amen. So I would like just to say thank you to our God for our brother Jonathan and his wife. Merci Dieu pour le frère avec sa famille. You know, just they traveled to Africa. Ils ont voyagé en Afrique. And they came back yesterday. Ils sont revenus hier. And we will thank God for them. Et nous bénissons Dieu pour eux. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank our brother Gary and our brother Liz. We thank God. Remercions Dieu pour notre frère Gary and Liz. Gary et Liz. Last time, you know, Liz's mom was not feeling well. La dernière fois, la mère de Liz ne se portait pas bien. And all the church we prayed. Et toute l'église a prié. And we continue to pray for her. Nous prions tous ensemble pour elle. And we know that she will feel well. Et nous savons qu'elle va se porter bien. Amen. 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 And then we thank God for this wonderful family. Nous remercions Dieu pour cette famille merveilleuse. There are great things that God would like to do in this family. Et nous savons que Dieu fera de bonnes choses pour cette famille. Amen. I praise God for today. Je bénis le Seigneur pour aujourd'hui. You know, today is a different day. Aujourd'hui, c'est un jour différent. Sometimes in the house, quelquefois dans la maison, there is nothing to eat. Il y a rien à manger. But if you see Daddy appears in the house, et si le papa apparaît dans la maison, that this is a sign of protection. C'est le signe de protection. This is a sign of everything. C'est le signe de toute chose. And the children in the house, les enfants à la maison, they see, okay, Daddy is there. C'est le père là. That means we will eat. Ça veut dire nous allons manger. Even if there is no money. Même s'il n'y a pas d'argent. We know there will be food. Nous savons qu'il y aura. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So every time. Toutefois. When we see Daddy in the house. Quand nous voyons le père à la maison. He brings all the blessings of Daddy. Il amène toute la bénédiction paternelle. As a Daddy. Comme le Père. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Today we thank God. Nous remercions le Seigneur for the presence of our pastor. Pour la présence de notre pasteur. Pastor Max Kung. Pasteur Max Kung. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Daddy of the S Ministry. C'est le Père de S Ministry. And we thank God for this man. Nous remercions Dieu pour cet homme. Thank God for the work that God has put in his hand. Nous bénissons Dieu pour la parole qu'il a mis entre ses mains. He's a blessing to so many people. Il est une bénédiction pour beaucoup. He's a blessing to so many nations. Il est une bénédiction pour beaucoup de nations. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But he didn't come alone. Il n'est pas venu seul. He's with his beautiful wife. Il est avec sa belle femme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I don't want to say to talk to say more about the money I want himself, the pastor he will say. Je ne veux pas dire plus au sujet de la maman, mais lui-même il dira. Because I know the minute before he preach, avant de prêcher, he will say something. Il va dire quelque chose about money. Au sujet de maman. Hallelujah. Amen. Thank God for this opportunity. Nous remercions Dieu pour cette opportunité. Now hang together. Et si on peut mettre le nom de man of God. Et le pouvoir de Dieu. Daddy of the house. Le père de la maison. Amen. Pastor Mark Kumu. Merci. You may be seated. Thank you. You may be seated. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glory be unto our God. Je tiens à dire un grand merci à toute personne ici présente. I stand to say thank you to each person here present. Merci surtout à nom de Dieu le pasteur Remba. Thank you to the man of God, Pastor Remba. Et sa femme. And his wife. En fait, c'est une famille quand je le vois et on s'appelle vraiment comme dans la famille. And they're like family to me. Et
Merci aussi à toute personne qui est ici présente. And thank you to each and every one of you present here. Et je crois que Dieu nous fera vraiment énormément du bien. I know that God will bless us. J'aimerais que quelqu'un dise un bon amen là-dessus. Vous savez, l'Église de Dieu, see, the Church of God, c'est un endroit où quand on croit du cœur, it's a place where we know in the heart, et puis vous confessez de la bouche, where you confess with your mouth, quand vous écoutez une parole, when you hear the word, et vous pensez que cette parole est vôtre. And you believe that this word is yours. Et tu lèves la voix et tu dis amen à cette parole. You lift up your voice and decree that it is. Parce que je crois que aujourd'hui, because I believe that today, le Seigneur nous a donné une petite exhortation. The Lord has given us a small exhortation. Mais qui te fera énormément du bien. But that will tremendously do you. Le Dieu que nous prions est vivant. The God that we pray to is alive. Comme a dit l'homme de Dieu, je suis le pasteur Maps. And I'm Pastor Maps. Maps Kumu de Earth Ministries. I am the founder and overseer of Airs Ministries. Je suis marié. I'm married. À une seule femme. To one woman. Unique. Unique. She's unique. Comme j'ai toujours dit, je n'ai pas l'intention présente ni future de divorcer. I don't have any intentions to divorce. Je veux rester avec elle. I will remain with her. Je veux mourir vieux. And I will die old. Je la laisse vieille. I'll leave her old. Comme ça, personne ne va la toucher. So that no one can touch her. Et puis quand on se retrouve au ciel, eh ben, si on va se reconnaître, on dit merci Seigneur. Say, thank you, Lord. Et avec elle, on a 4 enfants. And we have 3-4 children. 3 garçons et une fille. 3 boys and 1 girl. En fait, on avait planifié d'avoir 3 enfants. We've always wanted to have 3 children. 2 garçons et une fille. 2 boys and 1 girl. Ben, heureusement, le troisième est venu, garçon. But surprisingly, the third that came was a boy. Et pourtant, on voulait avoir quand même une fille. And we wanted to have 1 girl. L'église nous a exhorté. The church prompted us in prayer. Les gens nous ont exhorté, il faut persévérer. And then they kept encouraging us to persevere. Et puis on a persévéré. And we persevered. Et Dieu nous a donné quand même une fille. And God gave us a beautiful girl. Et vous savez, avoir une fille, c'est pas facile. Now to have a girl is not easy. C'est rare d'avoir une fille. It's easy, it's hard. Et si vous avez une fille à la maison, and if you have a girl at home, ben il faut bénir le Seigneur. Bless the Lord. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? So bless the Lord for the word of God. Donc allons avec moi dans le livre de Zacharie. So let's go with me in the book of Zechariah. Dans cette petite exhortation, Zacharie chapitre 1er. In this small exhortation, Zechariah 1. Verset 18 à 21. Verses 18 to 21. Zacharie chapitre 1er. Zechariah 1. Verset 18 à 21. Verse 18 to 21. Nous allons lire ces 4 versets. We're going to read this verse. Et puis aller rapidement dans notre exhortation. And then go straight into the word. Je vais lire dans le nom de Jésus. I read Jesus. La parole de Dieu déclare ceci. The word of God declares. Et est-ce qu'on peut se mettre debout pour la lecture? Lèvons-nous pour la lecture, s'il vous plaît. Et je vais faire la lecture. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Dis avec moi 4 cornes. 4 horns. Non, dis avec assurance 4 cornes. 4 horns. Je ne sais pas quel rangée parle bien. Laissez-moi parler au rangée du milieu. Rangée du milieu, est-ce qu'on peut dire 4 cornes? 4 horns. Ok. Alors, j'ai regardé, je voyais 4 cornes, comme le dit la Bible, et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Verset 20. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Dites avec moi 4 forgerons. Et je dis, que viennent-ils faire? Et il me dit, ce sont le corps qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre le corne des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Et nous avons dit amen. Prêt pour la place. Comme je disais, les amis, je crois que quand Dieu envoie un homme de Dieu, I believe that when God sends a man of God, souvent ils sont porteurs d'une parole. Sometimes they are carrier of the word. Et cette parole
doit trouver un cœur disponible. And this word must find a heart that is available. Et si tu retiens et tu prends et tu mets en pratique la parole, and if you retain and meditate the word of God, le Dieu qui a envoyé son serviteur, the God that sent his servant, il te bénira. Will help me. Et je lève ma main et je prophétise. And I lift my hands and I prophesy. Que toute personne qui accomplira cette parole. That each person that attends to this word. En qualité de ton prophète. And as a prophet of God. Je déclare que sa vie change au nom de Jésus. That his life will change. Que tout ce qu'il va faire. That everything they will do. À partir d'aujourd'hui. As of today. Que le ciel soit ouvert. May the heavens be open. Et que la gloire descende dans and sa vie. May the glory come. Si c'est toi, reçois cette grâce. If it's you, receive it. Les amis, beloved, ici c'est Dieu parle par un prophète. God is speaking through a prophet. Et c'est le prophète Zacharie. And it's the prophet Zachariah. Et vous devez savoir que Zacharie est âgé. And Zachariah is old. Ce sont des prophètes qui ont vécu presque la même période. It's our prophets who were at the same time. Ils étaient dans la période où Israël avait commis le péché. They were at the time where Israel committed sin. Et Dieu avait décidé de le frapper. And God had decided to punish them. Et Dieu a envoyé Nabucodonosor. And God sent Nebuchadnezzar. Et il les a envoyés en Babylone. And sent them to Babylon. Et Israël, le peuple élu. And Israel, le peuple choisi de the chosen people, le peuple lavé, mis à part. They were set apart. Mais à cause de ça, de son péché, but because of its sins, le Seigneur a permis God allowed que Israël soit dominé. That Israel be dominated. Et ma Bible dit que Nebuchadnezzar, and the Bible says that Nebuchadnezzar a pris les élites. Took and took men and took Elam and brought them to Babylon. Les élites pour mieux le comprendre. And he brought these elite men. Il faut être un Africain. You must be an African. Parce que l'Africain, pour ceux qui sont de l'Afrique ici, and people who are from Africa, vous allez réaliser que en Europe, will come to the realization that la plupart d'Africains, that amongst Africans, qui ont étudié, that are educated, qui ont des capacités. That have capabilities. Et comme ils trouvent que l'Afrique ne marche pas comme il le faut, and sometimes because their country is not offering what ils ont décidé de s'émigrer en Europe. They have decided to relocate or to donc ils ont amené leur connaissance, so, but they have brought their leur intelligence, leur capacité, and all their skills, les choses qui pouvaient être bénéfiques pour l'Afrique, everything that could have been beneficial for Africa, mais on les amène en Europe, but brought it here to c'est Europe. Pourquoi nous voyons des pasteurs avec toute sa connaissance. That's why we have pastors. Toute la capacité qu'ils pouvaient faire en Afrique. All skills and qualities. Mais on le développe ici. But they come here to develop. Donc lui, il a pris les gens très intelligents. So Nebuchadnezzar took people that were very les gens capables. People who were il les a amenés en Babylone. And brought them to Babylon. Et Israël est resté sans élite. And Israel remained without an elite person. Les gens qui avaient la capacité, people who were unskilled, d'amener le changement, to bring change. Ils étaient tous partis. They were all gone. Et c'est pourquoi, and that is why, comme Dieu est Dieu, when, as God is God, Dieu n'abandonne jamais ses alliances. God will never abandon his covenant. Quand Dieu choisit quelqu'un, when God chooses somebody, quoi qu'il arrive, you that la grâce de Dieu, the grace of God, est toujours dans ta vie. Is always on your life. Laissez-moi avant de continuer à dire à quelqu'un, tell the person next to you, si Dieu t'a choisi, if God has chosen, Dieu t'a choisi, God has chosen, si Dieu t'a mis de côté, if God set you apart, quoi qu'il peut arriver, whatever comes to le God, Dieu de Dieu sont sur toi. God, the blood of la grâce de Dieu est sur toi. The hand of God is upon laissez-moi you. Dire à quelqu'un dans cette église, let me tell somebody in this room, il y a une grâce de Dieu ici. There is a grace of God here. Quoi qu'il peut arriver, whatever comes about, les hommes peuvent m'abandonner. People can leave me. Mais Dieu, but God, je voulais dire Dieu, I said God, j'étais en train de dire Dieu, I said God, je ne parle pas des noms, I not talk about je ne parle pas des gens, I talk about people, mais je dis Dieu, but I said God, ne t'abandonnera jamais. Je voyais que tu allais dire un bon amen. Dieu ne t'abandonnera pas. God will never leave you nor forsake you. Les hommes peuvent m'abandonner. People can forsake you. Mais si Dieu but if God est avec moi, is with me, la victoire est avec moi. Victory is mine. Le succès est avec success moi. Is mine. La santé est avec moi. Good health is mine. La percée est avec moi. Perseverance is mine. La victoire est avec victory moi. Is mine. Si tu le crois, if you believe allez, it, lève ta main. Lift your voice. Si je le crois, say, I believe it. Et tu es vivant. That
that you are alive. Et c'est pourquoi les amis. And that is why, beloved. Vous trouverez dans la Bible les gens comme de Daniel. You find in the Bible that people like Daniel. Comme les amis de Daniel. People like Daniel. Ils étaient emportés. Who were imported. Mais vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? See, the one thing that I love about God is, s'il est pour toi, is that if he's for you, il peut dans ta faiblesse, he can even in your weaknesses, hein, in your weaknesses, utiliser ton ennemi, use your enemy, pour que l'ennemi prenne des décisions, so that enemies can make decisions, en ta faveur, in your favor. C'est pourquoi je bénis mes ennemis. That's why I bless God. Parce que tôt ou tard, because your ceux qui se lèvent comme mes ennemis, whoever rises against you, ils se lèveront, will rise, et ils prendront des décisions, and they will take decisions, en ma faveur. In my favor. Pourquoi? Why? Parce que Dieu saisit le cœur. C'est pourquoi Joseph, il pouvait bénir la femme de Potiphar. Could have blessed the name of Potiphar's wife. À cause de la femme de Potiphar. Because of Potiphar's wife. Il s'est retrouvé en prison. He found himself in prison. Mais de la prison, from the prison, Dieu l'a élevé. To the que cela soit ta prophétie. May that be your prophecy. Que ta situation. In your situation. Que Dieu t'élève. May God raise you up. Revenons dans l'histoire. Let's continue on in the story. Quand les élites sont partis, so when they went, qu'est-ce que Dieu montre à Zacharie? What did God show to Zachariah? Dieu voulait montrer à Zacharie ce qu'il veut faire. God wanted to show to Zachariah what he was meant to do. C'est pourquoi nous entrons dans la deuxième partie prophétique. That's why we go into the enter in the second prophetic stage. Dieu montre maintenant l'histoire des cornes. God shows the stories of the horns. Et puis des forgerons. And all the craftsmen. Et quand le prophète voit les cornes, and when the prophet saw the horns, il dit Seigneur, said Lord, qu'est-ce que ces cornes signifient? What do these horns mean? Et pourquoi quatre? And there were four horns. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans le détail de pourquoi quatre. I don't want to enter into details as to why there were four. Mais laissez-moi seulement parler des cornes. But let me speak of the horns. L'ange lui dit, the angel says, ces cornes, that this horn, c'est la puissance, is the power, qui est entrée dans Jérusalem, that entered Jerusalem, qui est entrée dans Juda, that went into Judah, qui est entrée en Israël, that entered Israel, et qui a dispersé les gens, and dispersed everybody. Regarde-moi très bien. Certaines choses que vous voyez dans la vie, certain things that you see in life, dans le monde visible, vous croyez que c'est un hasard. In the physical realm, you think that it's normal. Mais dans le monde spirituel, but in the spiritual realm, c'est une réalité très puissante. It's a reality. Est-ce que vous savez que maintenant dans certaines religions, did you know that in certain religions, il y a des gens qui sortent en esprit, enfin, that go out in spirit. Si je veux demander à c'est le pasteur Dominique, au pasteur Dominique quelque chose. If I want to ask Pastor Dominic something, les hommes normaux remplis de l'esprit, normal men filled with the spirit, je vais l'appeler, I'll call him, et lui demander, n'est-ce pas? And ask him. Ça va? Mais il y a maintenant une puissance occulte. But there is now an occult. Go out on the occult. Je cherche ton esprit. And they search for your spirit. Je prends ce que j'ai besoin. And they take what they need. Et je rentre. And they go back. Toi, tu réalises seulement que dans ta vie, and you think that in your life, il y a quelque chose que tu as fait. There is something that you had. Mais tu n'as plus. But you don't have it. Et tu remarques que le don que j'avais, and you realize that the gift c'est le don dans la vie d'une autre personne. It's on the life of somebody else. Parce qu'il s'est servi de la puissance occulte. Because they came for use a different pour voler ce qui t'appartient. Was yours. Et Dieu nous dit ici, and God says here, le corps, the coins, sont des puissances, power, qui sont entrés en Israël, that entered into Israel. Et Israël, c'est le pays de Dieu. And Israel is the people. Dans the Israël, il y avait le peuple de Dieu. In Israel, there was God's people. Mais le corps, but the horn, qui représente la puissance, that represents the l'autorité, power, authority. Et ici, c'est l'autorité occulte. The occult Israel, and in Israel, et ils ont dispersé les gens. And dispersed everybody. Je ne sais pas qui, quels sont les cornes qui sont venus dans ta vie. I don't know what spirits came over you. Parce que vous voyez, quand vous voyez un bouc, when you see a book, ils utilisent la corne pour se défendre. They use the horn to defend itself. Les cornes sont là un symbole de puissance. Horn is something that is powerful. De force. Something that is of strength, de domination, of domination, de protection, and protection. Et dans ce monde spirituel, and in the spiritual realm, il y a des puissances qui sont représentées par des corps. There are spirits that are represented by ça peut être la sorcellerie. It could be sorcery. Ça peut être la mauvaise réputation. It could be bad reputation. Ça peut être la maladie. It could be sickness. Mais qui entre dans le peuple de Dieu, that go into the people of God, dans le but de détruire. For the aim and the intent to destroy and disperse. C'est pourquoi je bénis ta vie. That's why I bless God for your parce life. Que les cornes n'ont pas pu te détruire. Because the horn has no power. Non, toi tu pouvais acclamer pour
Si on était au Kassai, if we were in Kassai, une maman allait lever la main, mama would have et dire avec moi, Aga! Said, Aga! Parce qu'il y a des choses quand vous écoutez, so some things that you hear, vous dites, c'est quoi ça? Say, what is mais Dieu a fait des bonnes choses. God has some great si things. On était à Ouagadougou, if we are Ouagadougou, demandez au pasteur, si on était à Ouagadougou, une maman allait se lever, the mother would have raised et dire avec moi, ceci, amen. Dieu est capable, pasteur Emma, de faire des choses. Dieu remarque et il fait remarquer à Zacharie. God came to Zechariah. Tout ce que vous voyez là, everything that you see, c'est la puissance des cornes qui est entrée dans ma ville. Is the power of the horn that entered into the city dispersé and dispersed people dans ta vie. In your life, peut-être tu réalises que les finances n'est plus là. Because you realize the finances parce que les cornes ont dispersé la puissance financière. All the financial. Tu n'as pas la stabilité. You don't have stability. Parce que les cornes sont entrées. Because the horn and. Et ils ont provoqué l'instabilité. And they provoked instability. Et à l'église. And in church. Quand vous voyez un vent. When you see a wind. Qui disperse les gens. That disperses people. Ça peut être les cornes qui sont entrées. The horns are entered. Et qui ont dispersé. And dispersed. Et la Bible dit ceci. And the Bible says. Comme le verset dit. Comme il n'y a personne qui levait la tête. And so there's nobody that lifted up the head. Souvent dans nos combats contre les corps. Sometimes in our times of our warfare against the corps. There are only few people qui élèvent la tête that lift their head et qui résistent au corps. And resist the horn. Les gens croisent les bras. People cross hands. Et quand le corps ne trouve qu'il n'y a pas résistance, and when the horn sees there's no resistance, ils avancent. They go forward. Mais s'il y a résistance, but there is resistance, ils reculent. They go back. Et Dieu dit dans ce verset, God said in this verse, comme il n'y avait pas résistance, and as there was no resistance, Dieu lui-même, God himself, c'est pourquoi je bénis ta vie. That's why God bless God for life. Ta présence là. Your presence. Toi, tu crois que tu es là par hasard? You think that you're there by coincidence? Non, tu es là. You are there. Parce que Dieu voulait. Because God wanted. Que tu sois ce que je veux dire maintenant. That you be that which He called you to be. Et le plaisir dans mon cœur, c'est quoi? What is the desires of my heart? Ce que je sais, ce que je veux dire. What I know, what I want to say. Mais vous ne savez pas quoi ce que je veux dire. But you don't know that which I want. Permettez-moi de danser moi-même d'abord. Parce que quand je veux vous dire. Vous allez entrer dans ma joie aussi. You will enter into my joy. En fait, quand tout le monde croit que c'est fini. When God, when people think that's finished. Il y a personne qui s'élève. When nobody rises up. Dieu lui-même. God himself. Il fait la sélection. He selects people. Là où il y a des corps. Where there are holes. Dieu maintenant. God himself. Il lui montre une autre vision. He shows a different vision. Et dans cette vision. And in that vision. Il lui montre des forgerons. He shows people that c'est pourquoi mon petit thème. That's why my theme. C'est toi. Is you. Tu es la race des forgerons. You are the race of the overcomers. Je dis que toi tu es la race des forgerons. That you are the force of the overcomers. Let me go here. Je les vois, ils sont connectés avec moi. Je dis que toi tu es la race des forgerons. You are the force of the overcomers. Je répète, toi tu es la race des forgerons. You are the overcomers. Dieu dit. God said. Dans cette situation. In this situation. Moi-même Dieu. That I God. Je crée. I create la race des forgerons. To create races of avant d'expliquer, Dieu dit ceci. And before that, God. Le prophète lui, qui vient faire le forgeron ici? God, the prophet said, what shall we do here? Dieu dit ceci. God said. Parce que personne ne s'est levé. Because nobody has stood up. Contre le corps. Against the contre la puissance. Against the power. Je lève le forgeron. I raise the craftsmen. Et qui font les forgerons? And what were the craftsmen? Les forgerons sont venus. The craftsmen. Pour attaquer. Came to attack le corps. The horn. Afin d'intimider le corps. In order to intimidate the et de disperser le corps. Laisse-moi prophétiser. À la race des forgerons. And as a craftsman. Par toi. Through, le corps ne sera écrasé. The horn will be destroyed. Aïe, 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 aïe. Par toi, through you, le corps sera écrasé. Par toi, through you, Israël qui était sorti, Israel, il ne reviendra. But they came. Mettez-vous. Que font les forgerons? What will the craftsmen do? Les forgerons ont the craftsmen un
devoir très difficile. Have an crucial assignment. What do they do? D'abord, ils utilisent tous les métals qui sont déformés. First of all, they use everything that is deformed. On amène auprès des forgerons. And they come before the dans la forge. And in anything that là où les forgerons travaillent, where the craftsmen work. Il a quelques outils. They have tools. Il a le marteau. They have a hammer. Il a aussi le feu. They have fire. Et qu'est-ce qu'il fait? And what do they do? Quand il prend un métal déformé. When they take a metal that is deformed. Les forgerons. Toi tu es un forgeron, mon gars. Quand il prend un métal déformé. When they take a metal that is deformed. Les forgerons le prend. The craftsmen take it. Il prend le marteau. And they take the hammer. La clume. And take this. Et le feu. And the fire. Or vous savez que le marteau. And with the hammer. C'est le signe de la parole de Dieu. It's a sign of the word. Le feu. The fire. C'est le signe de Saint-Esprit. It's a sign of the Holy Spirit. Maintenant, le forgeron réalise. And the craftsmen realize. Amen. Vous voyez, tout ce qu'on croyait. Détruit. Everything that they saw was destroyed. Quand ça tombe dans la main de forgeron. When it falls in the hands of the craftsmen. Vous savez, je vois surtout à Londres. I see a lot in London. Vous allez voir des gens avec un peu de van. You see people with vans. Ils vendent des poubelles. And they go to bins. Les choses que vous avez abandonnées. Everything that you've jeté. Or thrown away. Sans valeur. Without value. Lui le prend. He takes et il faut quand il le prend, vous dites, mais c'est monsieur, c'est un pauvre malheureux. But sometimes you wonder if this bin man is a comment poor il prend les choses sales. How is it that they take something that's dirty? Mais dès qu'il le prend, and when they take il it, les amène. And he brings it. Ça veut dire que ça produira. So that means it will produce. Maintenant le forgeron, and the craftsman, il va ramasser tout le fer déformé. He takes everything that is deformed. Il amène dans la forge. And he brings it into the forge. Il prend le marteau. And he takes the hammer. Il prend la clume. And he takes the nail. Il commence à tailler. And he starts to hit. À tailler. And he starts to hit. Quand vous passez devant, when you pass, vous allez voir que le métal déformé souffre. You see that the metal deformed is not working out, but he takes it. Il le prend. He takes it. Il le met dans le feu. And he puts it in the fire. Il le brûle. And he burns it. Quand il le brûle, and when he burns it, la fer devient faible. And the fire becomes weak. Affaibli. The fire diminishes. Maintenant le forgeron. And now the craftsman. Le taille. The craftsman. À sa façon. To make it. Je veux dire à quelqu'un. I want to say to someone. Dieu se servira de God toi. God will make of you. Tout ce qui était détruit. Everything that was destroyed. Par la parole de Dieu. Through the word of God. Par le feu de l'esprit. Through the fire of God. Vous allez tailler. You will become. Tailler les âmes. You become. Tailler l'église de Dieu. Strong and strong. Tailler ma réputation. Tailler ta vie. Strong in your life. Tailler la vie financière. Afin que ce qui était détruit. That which dans ta main. Ça va changer. Will change. On appellera cette maison. They will call this house. La maison de transformation. A house of transformation. Quelqu'un viendra malade. Mais il tombera dans la main des forgerons. J'ai dit que toi tu es un forgeron. Olivier Rondon a dit, toi tu es forgeron. Tu es forgeron. Comme à Ouagadougou. Que les forgerons disent amen. Quand quelqu'un viendra ici, désespéré, and there's hope, vous allez lui dire, and you will tell them, c'est que les cornes ont fait. What the horn did. Ne regrette pas. Don't regret. Tu es dans la maison des forges. You are in the hands of the craftsmen. Et nous, comme tu vois là, and as you see, nous sommes la race des forgerons. You are the craftsmen. Dès que tu tombes dans nos mains, and as you fall in our hands, tu n'as répondu. Your life will change. Ta santé sera transformée. Your health will be transformed. Ta famille sera transformée. Your family will be changed. Si tu le crois, c'est yes. You will say yes. God says, don't regret. Un bon enfant de Dieu, so a good child of God, ne regrette pas ce qu'il voit. Doesn't regret or give into succumb to everything that they see. Ne vit pas par la vue. Because people don't live by sight. Mais il vit par la foi. But they live by faith. Et par la foi. And by faith. Tel que tu es. That which you are. Dieu t'a pris. As you are, God took you. Et il t'a mis dans sa classe. And he put you in his et class. Forme and he formed comme un forgeron. As a craftsman. Quand tu parleras. When you speak. C'est comme un forgeron. It's like a craftsman. Quand tu marcheras. When you walk. C'est comme un forgeron. Like a craftsman. Et quand un forgeron prend un fer. When a craftsman takes an iron. Il ne regrette pas. He doesn't regret. Parce que ses yeux, because his eyes, ont la capacité, have the capability, de voir le meilleur, to see the good, dans ce qui est faux, of that which is faulty. Yes.
le forgeron, the craftsman, a des yeux qui percent trop. Have eyes that foresee. Et je crois que Jésus était un vrai forgeron. And I see that Jesus was foreseeable. Parce que Jésus, quand il voyait les gens, when God saw people, il prophétise déjà. He prophesied ce que tu seras. That which you will become. Parce que lui ne voyait pas. Because people didn't see le présent. The present. Quand un bon forgeron entre ici, when a good craftsman comes here, il commence à compter. And starts to count. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tous ces mois d'août. In this month of August. Je vois une âme ici. I see a soul here. Là-bas. A home there, a soul there. Et viens voir le pasteur. And I come see the pastor. Pasteur, que toutes les autres chaises. May all the other chairs. Que les autres se débrouillent. May they go. Mais moi. But I. C'est premier rang. This right side. C'est pour moi. It's for me. Tous mes invités. All my invites. Seront ici. Will be here. Moi, je vais les gagner. And I will win them. Parce que je suis un forgeron. Because I'm a craftsman. Que les forgerons acclament pour la gloire. The attitude of a craftsman. It's not the attitude of the man who are hoard. Les corps ne voient le positif. The hoard see the positive. Mais dans sa pensée, but in his heart, il veut détruire. He wants to destroy. Et puis disperser. And disperse. Et quand tu vois que tu es dans une église, and when you see in your church, tu as envie de fuir. And you're in a church that you want to go away. Ma corde baillée. Be quiet. Because the point has come. Les cornes sont venues. The point has come. Parce que le corps, papa. The point. Ils vont te faire disperser partout. They will go you from church to church. Tu seras un vrai guerrier spirituel. You will be a true spiritual warrior. Quand ils vont dans l'église de Bima, if you go to a church, après tu bimes, you go to a church and you flee. Et tu vas dans une autre église de Kota, and you go to a different church. Après tu côte, and you go. Donc tu seras pas stable. So you won't be stable. Mais quand le forgeron est dans ta vie, when you are a craftsman, tu es celui qui reconstruit. Tu es celui qui donne l'espoir. Tu es celui qui dit, dans ta situation, il y a un espoir. There is hope. Je dis encore de l'espoir. There is hope. Je dis à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. I say to somebody, there is hope. Voyez, souvent, le forgeron n'attend pas qu'on lui amène le fer déformé. Craftsmen don't wait for them to be given objects that are deformed. Il a lui-même son van. He has his own van. Et puis lui-même examine. And he himself examines. Il se promène. And he goes à gauche, à droite. Left, right. Et il sait voir l'état de fer qui est là. And he sees the state that which it can become. Il a même fouillé ici à Dublin, c'était sa van. Beloved in Dublin. Mais nous, en Angleterre, il y a beaucoup de fer déformé. In England, there's a lot of deformed things qui sont dans la rue. That are on the streets. Dispersés par les cornes. Dispersed by les internet. Through the internet. De la vie. Through life. Et notre devoir. And our homework. C'est de faire ce que Dieu est capable de faire. Is to do that which God is capable of doing. Est-ce que vous savez que vous avez un dépôt de grâce dans votre vie? Do you know that you have grace on your life? Si tu commences à te voir comme Dieu te voit, if you see as God sees you, tu vois comment je vois ma fille, as I see my daughter, dans mes yeux, in my eyes, je l'ai vue quand elle était jeune, I saw when she was a baby, quand elle prêche, when she preached, comme les Américains, like American, je ne vois que ce qu'elle fait, I only see what she does, mais je ne vois pas au-delà, but I don't see beyond that, au-delà je peux envisager, and beyond that I can just imagine, ça c'est moi l'homme, that is me. Mais voyez, quand Dieu la regarde, but when God sees her, Dieu connaît sa finalité, n'est-ce pas? God knows her end. Dieu connaît son mari. God knows her husband. Yes. Dieu connaît son mari déjà. God knows her husband. Dieu connaît le nombre d'enfants qu'elle aura. God knows the children that she will have. Et si Dieu l'a donné cette taille, and God, if God gave her this gorgeous height, Dieu savait qu'elle allait avoir cette taille. God knows that she will have. Et si là, Dieu l'a donné, elle sera mise au Canada. And if God gave her this beautiful smile. Tout ça, Dieu savait. God knew. Vous voyez? Yes. Et nous, on s'étonne. And we astonish. Et nous, on prie. And as we pray. Vous voyez, en fait, le forgeron, the craftsman, c'est quelqu'un qui voit au-delà de ce qui est présent. Is someone that sees beyond that is. Et qui sait voir le meilleur. And if he sees the best. Dans ce qui est mauvais. In what is bad. Si Jésus n'était pas un vrai forgeron, if Jesus wasn't a good craftsman, il allait chasser Pierre. He would rebuke Peter. Parce que Pierre était, de temps en temps, il devient bon. Because when Peter was good, Peter was bad. Mais
Jésus, but Jesus, comme un vrai forgeron, as a craftsman, il savait que en lui, that her, cet homme, that this man, will be somebody. Si moi j'étais Jésus, if I was Jesus, j'allais laisser la direction de l'église à Jean. I would leave the people of John to do as they see fit. L'église, je vais donner la direction à Jean le Baptiste. I will give the direction to John the Baptist. Parce que Jean aimait beaucoup Jésus. Because John loved Jesus so much. Mais Jésus a vu dans Jean. But Jesus saw in John l'amour. Love. Il a dit, fils, voici ta mère. And said, son, see your mother. Mais dans Pierre. But in Peter, despite the good et son nom death, veut dire chancelant. And his name, mais Jésus regarde pas seulement le package. But God doesn't see the outside package. But he sees beyond that. Dieu m'a envoyé pour te dire. But God sent me here to remind you es un forgeron. That you are a craftsman. Et ta mission, and your mission, c'est de réparer ce que le corps is to repair that which the body cannot do. Pas seulement dans le corps de Christ, not just in the body of Christ, mais aussi dans ta vie, but in your life, dans ta relation, in your relationship, dans tes finances, in your finances, dans ton sentiment, in your health. Dieu t'appelle le réparateur. Has called you to reconstruct. Et si Dieu te qualifie forgeron, and if God has qualified you as a craftsman, tu n'attendras pas que les gens t'acclament. You don't wait for people to applaud you. Je vous ai toujours dit dans cette église. Nous I told you in this church. Nous sommes dans une génération. We are in a generation. Où nous-mêmes nous félicitons. Where we congratulate and encourage ourselves. Quand maman Jutu se regarde. The way maman Jutu looks at herself. She says, oh wow. Quelle taille. Look at this. Merci Seigneur. Thank you God. Toi-même tu t'apprécies. And you yourself appreciate yourself. Tu n'attends pas les appréciations des autres. You don't wait for people's appreciation. Et toi-même tu dis, oh là là, Seigneur. And say, oh God. Moi forgeron. I craftsman. Pour réparer ce que le corps nous fait. To repair that which needs to be repaired. Tu commences à dire bien que ma famille est bénie. Say my family is blessed. Mes enfants sont bénis. My children are. Ma femme est bénie. My wife is blessed. Si vous laissez-moi parler aux mariés ici. Let me speak to the married couple. Vous voyez comment je la traite. See as I treat her. Quand je l'ai mariée. When I married her. Je la portais. I used to carry her. 41 kilos. Je la portais très bien. I used to carry her in my hand. Mais maintenant j'ai investi en elle. But I've invested in her. Regarde le poids qu'elle a. Look at the height. Ça c'est mon investissement. That was my investment. Et quand je la vois marcher. And when I see her walk. Je dis, oh là là. I say, oh wow. J'ai investi. I have mon investissement. My investment. Donc toi tu peux regarder ton église. You can look at your church. Tu dis Seigneur. Say God. Je veux investir. I want to invest. Parce que je suis un forgeron. Because I'm a craft. Que Dieu bénisse. May God bless. Toute personne qui a cet esprit. Each person that has this. Et parce que Dieu m'a envoyé. Because God sent me. Il sait que cette parole c'est pour toi. He knows that this word is for you. Est-ce qu'il faut une réunion? With the, even is there a need for que tu reçoives l'onction du forgeron? For you to receive the anointing. Parce que c'est Dieu qui l'a mis en toi. Because God put it in you. Est-ce qu'il faut attendre? Do you have to wait? Quand tu dis je vais. Go? Non. No. Ton travail your work t'oblige d'aller route par route obligates you to go route et de réaliser and to realize l'état que le corps nous fait the state that the horns have done et ramener les gens and to bring back people. Ton âme c'est quoi? What is your soul? C'est le marteau is the hand. C'est le feu and it's the fire. C'est la plume is the tip. Tu peux tailler. You could go through et it. Quand le forgeron taille, and when the craftsman il enlève ce qui n'est pas utile. He takes away that which is not afin useful. Afin qu'il ne reste qu'avec des choses qui sont utiles. So that he can retain with stuff that is useful. Lève ta main droite. Lift your raise your right hand. Et répète après moi cette parole. I repeat after me. Dis avec moi Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je reconnais. I believe. Que si tu m'as envoyé aujourd'hui. That if you sent me here. C'est parce que tu me considères it's because you consider me comme un forgeron. As a craftsman. Le forgeron, the craftsman, il réalise will realize le tas que le corne ont accompli. The state of which the horn have left. Comment ils ont saccagé. How they have destroyed. Comment ils ont dispersé. How have they desecrated. Ma santé. My health. Mes finances. My finances. Ma vie. My life. Mes relations. My relations. Ma communauté. My community. Mon église. My church. C'est pourquoi je me lève. That's why I raise comme le réparateur as a et je prie and I pray les effets that every effect des cornes come against every
ma vie of the horse, et sera dans le nom de Jésus. En qualité de forgeron, as a craftsman, je prophétise que dans cette église, je me lève, je me rétablis, je la rétablis au nom de Jésus. La main levée, lève-toi là où tu es, je vais stand prier. Where you are. Seigneur, merci. Lord God, thank you. Lève-toi là où tu es. Stand up where you are. Garde le silence, lève seulement la main. Remain silent and raise your hand. Seigneur mon Dieu. Lord God. Nous avions prié longtemps pour ces jours. We've prayed for this day, God. Et la Bible déclare, Seigneur, and the Bible declares, que tu es le maître des circonstances et des temps. You are the time of circumstances. C'est pourquoi dans toutes circonstances, that's why in every circumstance, nous te disons merci. We say thank you. Merci parce que tu veux avec mes frères et sœurs. Thank you because you're with our brothers and sisters. Que nous puissions nous considérer comme une race. That we will be considered as mais la race des forgerons. Hears of craftsmen. Des gens qui ont des yeux pour voir au-delà de ce que le corps people ne peut faire. Foreseeable, that with beyond what the horns et qui sont prêts and are ready avec Dieu with God d'amener le changement be à mes frères et sœurs. Rested upon you, God. Afin qu'ils déclarent. So that as they declare. Et que les gens qui les connaissent déclarent. And the people that know them declare. Que ça, c'est le doigt de Dieu. That is the light and armor of God. Que Dieu vous fasse du bien. May God do you well. Et énormément du bien. Do you well. Et cela dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.